Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'être avec nous dans ce 13h au Bénin. Dans le sommaire à Boukoumbé, elles se sont mobilisées pour célébrer de façon en différé la journée internationale des droits des femmes. Et pour l'occasion, les militantes du bloc républicain ont reçu une délégation des leaders politiques du BR. Ensemble, ils ont jeté un regard rétrospectif sur les actions et initiatives menées pour une société juste, égalitaire et paritaire. Ensuite, l'amicale Amigas Manas a aussi célébré la Journée internationale de la femme, édition 2022. Les membres de cette amicale ont choisi de se retrouver à la station balnéaire de Grand Bobo, dans le département du Mono. Le menu des festivités à suivre dans ce 13h au Bénin. Le nouveau président fédéral de l'association culturelle Agbésignalé, il a été donc élu à la faveur du congrès de cette association, espace culturel et linguistique Wati. Mesdames, Messieurs, à nouveau bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez dans ce 13h au Bénin. Les militantes du bloc républicain sont en fait à Boukoumbé. Elles se sont mobilisées pour célébrer, et ce, de façon différée, la journée internationale des droits des femmes. Pour la circonstance, elles ont reçu une délégation des leaders politiques du bloc républicain conduite par l'honorable Gilbert Bagana. Elle y était donc aux côtés de ces femmes pour non seulement se divertir, mais aussi et surtout jeter un regard rétrospectif sur les actions et initiatives menées pour une société juste, égalitaire et paritaire. Reportage. Elles sont toutes militantes et sympathisantes du bloc républicain dans la troisième circonscription électorale, venues des communes de Tanguieta, Matéri, Kobli et bien évidemment de Boukoumbé. Elles se sont retrouvées autour de certains leaders politiques du bloc républicain pour célébrer la Journée internationale de la femme. Le BR accorde une grande place à la femme. C'est pour ça que nous avons notre organisation en place. Nous devrions comprendre que nous devions travailler à la base pour se faire représenter. Et ce travail commence déjà à ce que nous nous organisons à l'interne. Il ne faut plus que tout le temps nous tendions la main aux hommes. Au-delà des réjouissances qui ont meublé cette randonnée festive, un appel solennel a été lancé à l'endroit de toutes les femmes en vue de leur implication massive dans les instances de prise de décision. Chères femmes, impliquons-nous davantage en politique, car toutes les portes sont grandement ouvertes. J'invite également nos jeunes sœurs à se montrer plus visibles et s'impliquer dans la vie associative. Alors, luttons aux côtés de nos partenaires associés naturels que sont les hommes, en leur démontrant nos capacités physiques et intellectuelles qui feront de nous, en février prochain, les meilleures femmes députées de l'Assemblée nationale. Cette célébration de la GIF 2022 offre également l'occasion à ces femmes républicaines de réaffirmer leur engagement à accompagner le chef de l'État dans toutes ses initiatives allant dans le sens de la protection de la femme béninoise. À l'honorable Gilbert Bagana, de s'adonner à une reddition de comptes quant aux lois votées par l'Assemblée nationale pour la protection des femmes et les enfants. Nous, à l'Assemblée, on a lutté pour prendre des lois, on a voté des lois pour protéger la femme, les enfants, les filles. Parce que s'il n'y a pas la quiétude dans cette couche sociale, la société est gâtée. Il faut que vous soyez tranquille. C'est pas parce que quelqu'un a le pouvoir qui peut brimer une femme, qui peut violer une femme, qui peut harceler une femme. Les femmes sont protégées. Bien avant ces manifestations proprement dites, une caravane à travers la cité des Tata a donné le top de cette célébration.
Une marche de cœur à travers la ville de Djougou, suivie de réjouissances populaires. C'est la manière choisie par les vaillantes femmes de Djougou pour célébrer en différé la Journée internationale de la femme, édition 2022. À travers cette initiative placée sous le parrainage du maire de la ville de Djougou, les vaillantes femmes de Djougou entendent ainsi inculquer la pratique du sport au sein de la gente féminine afin qu'elle soit apte à participer au développement de la nation. Reportage. Un exercice d'étirement pour la mise en condition de ces femmes de la Donga qui précèdent cette marche pédestre purement sportive à travers les principales artères de Djougou. C'est le point de départ des manifestations entrant dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes, édition 2022. Initiative des femmes vaillantes de Djougou. Ce rendez-vous sportif vise à stimuler et promouvoir la pratique du sport au sein de la gente féminine de la Donga. Aujourd'hui, avec cette marche, nous savons qu'aujourd'hui, le sport est incontournable. C'est pour le bien-être de tout être humain. Je suis très fier d'être là, de participer à cette marche, pour montrer que dans le sport aussi, on peut participer toutefois au développement de notre localité. Parce qu'il faut se porter bien avant de participer aux activités. Reconnue pour ses nombreuses actions sociales en faveur de la gente féminine et très engagée dans la promotion de l'autonomisation de la femme, Abdul Malik Seibou Gomina a parrainé cet événement qui a sa troisième édition. Une édition dont le thème s'intitule « L'éducation sportive pour la femme ». Un choix, une obligation. Elles participent à l'animation de la vie sociale, donc elles doivent être aussi en bonne santé pour pouvoir subvenir à tout ça. Ça aussi fait partie de la vie. Il faut faire vivre la femme, il faut animer sa vie, il faut mettre un peu de l'ambiance dans la vie pour le rayonnement aussi social. Je souhaite à toutes les femmes du Bénin, en particulier celles de la Donga et surtout aux femmes vaillantes, donc vie, beaucoup de courage, beaucoup de persévérance. Les impressions sont bonnes parce que la journée des droits de la femme mérite vraiment qu'on la célèbre. Parce que la femme, comme on le dit toujours, la femme est le miel d'une famille. Donc sans la femme, une famille ne peut pas tenir. Dans l'après-midi, ces vaillantes femmes se sont retrouvées dans un restaurant de la place, le temps d'une partie festive, empreinte de convivialité. Et puis nous restons dans le même registre, les membres de l'organisation des femmes du bloc républicain de la 24e circonscription électorale se sont retrouvées, bien entendu, au centre des jeunes de la commune de Zobodomé. Elles ont festoyé. Les manifestations entrent dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la femme. Ces retrouvailles ont aussi été le cadre de réfléchir sur différentes thématiques ayant trait à la vie de la formation politique, mais également à la condition de la gente féminine. Reportage. Au centre des jeunes de Zobodomé, les femmes républicaines de la 24e circonscription électorale célèbrent la Journée internationale de la femme. L'événement est placé sous le parrainage du secrétaire exécutif national du parti du bloc républicain. Cette occasion de remobilisation des valeureuses militantes, notamment celle des communes de Zakota, Zanyanando, Kovenweri et Zobodomé, a aussi connu la participation des regroupements des jeunes membres du parti dans ces diverses localités. À côté de l'organisation des femmes du bloc républicain, l'organisation des jeunes du bloc républicain, l'OJBR. Et c'est ce que nous voulons, c'est ce que nous souhaitons, que les femmes et les jeunes puissent se mettre ensemble pour relever des défis. Aux femmes de Zobodomé, nous leur disons d'être aux alliés, d'être prêtes, comme elles l'ont toujours été, pour que désormais Zobodomé, Kobe, Mwenki, Zakota, Zanyando soient verts. Je voudrais remercier la coordonnatrice départementale
de l'OFR pour sa capacité d'organisation, pour la réussite de la présente rencontre. Et l'objet de la fête, au-delà des réjouissances, il y a également l'enseignement du rôle de la femme, de la nécessaire égalité entre les sexes, qui est le thème de cette année. Avant les réjouissances proprement dites et à la suite des différentes interventions lors de la phase protocolaire, deux communications ont retenu l'attention de l'assistance. La première est intitulée « Prévenir les violences faites aux femmes » et la deuxième « Assurer l'autonomisation des femmes et leur participation à la prise des décisions politiques et publiques ». Comment permettre aux femmes d'impacter leur milieu ? Pour cela, il faut une réelle autonomisation qui passe par l'emploi, qui passe par l'éducation. Nous avons profité aussi pour rappeler aux femmes qu'il y a cette loi sur la discrimination positive qui va être mise en œuvre très prochainement, dès le 8 janvier prochain, aux élections législatives. Cette loi qui permet aux femmes de pouvoir mieux se représenter à l'Assemblée nationale, donc ainsi contribuer aux différentes assises qui vont amener à prendre des décisions publiques et politiques. À ces retrouvailles, initiées à quelques mois des prochaines législatives, des questions de stratégie ainsi qu'organisationnelles ont également été évoquées. Ces femmes sont invitées à affûter les armes. Chacune d'elles est appelée à travailler au rayonnement de la formation politique dans sa commune de provenance. Elles doivent aussi œuvrer à faire adhérer le plus grand nombre aux idéaux républicains. L'objectif visé par les leaders en donnant ces consignes est de faire du parti du cheval blanc cabré la première force politique de la zone à l'issue de cette consultation électorale du 8 janvier prochain. Nous restons toujours avec les femmes du parti Bloc Républicain, mais cette fois-ci de la commune de Semekoudi, sous le leadership du maire Jonas Gbedamentor et puis l'honorable Omer Avala ont célébré également la Journée internationale de la femme. C'était un moment de joie partagée entre militantes et élus du Bloc Républicain, où les questions de l'inclusion des femmes dans la sphère des prises de décision et la participation des femmes BR aux prochaines élections ont été abordées. Voici le compte-rendu. Danse pour manifester la joie qui les anime. Femmes de la commune de Semekoudi, estampillées Bloc Républicain, elles se sont massivement mobilisées autour de leur leader, le maire Jonas Gbedamentor et l'honorable Omer Avala, pour célébrer la journée dédiée aux droits de la femme dans la société. Occasion pour elles de réclamer plus d'attention à l'égard de la femme. Nous vous interpellons, monsieur le président. Pensez à l'assistance des femmes et au développement durable des femmes. Comme vous avez su bien choisir la femme comme la vice-présidente de notre pays. Nous attendons encore plus pour l'épanouissement de la femme. Par anticipation, monsieur le président de la République du Bénin, nous vous disons merci. Et puisque l'autonomisation de la femme est au cœur des préoccupations du Bloc Républicain, les responsables du parti, dont le maire Jonas Gbedamentor, ont rassuré les femmes de ce que les conditions pour leur participation à la prise de décision sont désormais réunies grâce aux lois votées par la 8e législature et qu'il leur revient désormais de saisir la balle au bon. Lorsque vous voyez l'évolution des législations, vous sentez que de plus en plus, l'homme a la volonté de rétablir l'équilibre. Vous devez aller à l'école de l'audace, à l'école de l'offensive. Vous devez savoir qu'aujourd'hui, les hommes vous ont déjà tout donné. Les hommes vous ont restitué tout ce que vous réclamez. Nous ne sommes pas là pour chanter ou faire vos éloges. Nous sommes plutôt là pour reconnaître votre place au sein de la société. Vous méritez d'être célébrés, chère maman. Amazon des temps modernes. La femme de nos fait 58%. Ça veut dire quoi? Si vous votez correctement, vous avez les 24 sièges et nous, au Bloc Républicain, vous allez voir les femmes partout. Tête de liste, tête de liste, tête de liste, tête de liste. Si peut arriver. Au moins, si vous êtes mobilisé, vous verrez au moins une trentaine de femmes bien au Parlement. C'est ce que nous voulons. Donc, au nom du président Abdoulaye Diop Tchané, empêché,
Je vous souhaite bonne fête. Par ce moment de joie partagé, le maire Jonas Guénométo et l'honorable Omer Avala ont ravivé la flamme de l'engagement des femmes de Sémékoudji au profit du rayonnement du parti Bloc Républicain. L'amicale Amigas Emanas a aussi célébré la Journée internationale de la femme, édition 2022. Les membres de cette amicale ont choisi pour l'occasion ce dimanche et se sont retrouvés à la station balnéaire de Grand Popo, dans le département du Mono, au menu des festivités, une action sociale à l'endroit de l'orphelinat Meilleur Cœur, solidaire, une causerie, des bars et des réjouissances. Reportage de Geoffroy Messant, Florent Dou. La journée du dimanche 27 mars 2022 est désormais gravée dans les annales de l'orphelinat Meilleur Cœur Solidaire de Grand Popo. Et ceci grâce à cette dame de l'amicale, Amigas Hermanas. Elles ont choisi la matinée de cette journée pour partager quelques instants de bonheur avec les pensionnaires des lieux. Un déplacement fait de partage de repas et de remise d'une enveloppe financière. C'est une grande surprise et j'ai répété, n'avons jamais obtenu une enveloppe de 150 000 ici à l'orphelinat depuis 2014 que nous existons. Vraiment un grand merci à vous. Nous, nous avons choisi de fêter autrement le 8 mars. Nous avons eu des sponsors. Les gens nous ont aidés. Nous allons aider. Et une fois que nous avons commencé, ça serait d'édition en édition avec beaucoup d'autres lots. Ce geste de générosité est l'acte qui a donné le top départ des manifestations de la célébration différée de la Journée internationale de la femme édition 2022 par l'amicale Amigas Hermanas. Les autres activités se sont déroulées dans les locaux de la Villa Caro de Grand Popo avec comme hors d'œuvre une causerie débat sur le thème « L'égalité des sexes pour un avenir durable ». Le 29 janvier 2009, en effet, nous, un groupe d'amis, avions décidé de créer une amicale dénommée Las Amigas Espoir. Depuis sa création, le groupe a connu de moments de doute marqués par des départs pour diverses raisons. Aujourd'hui, devenus Las Amigas Hermanas, nous sommes au nombre de 20. La journée a été parrainée par Clovis Agossou en sa qualité de président de l'association Action Solidarité et Partage ASP, une association dont s'inspire l'amicale Amigas Hermanas dans ses actions. Aujourd'hui, qui est un jour du mois de mars qui représente le mois des femmes, et vous avez pris ce jour pour aller assister des enfants à vous, mais qui ne sont pas à vous, que vous avez accepté, allez assister. Dieu va vous le rendre au centuple. Le clou des festivités a été marqué par un buffet. Une occasion pour les membres de l'amicale Amigas Hermanas de partager quelques repas et bouteilles avec leurs invités. Des pas de danse étaient également au rendez-vous. Et puis c'est parti pour la troisième édition du Salon de la Femme et de la Famille béninoise. En effet, le lancement des activités de ce salon aura lieu ce jeudi 31 mars à la salle des fêtes du restaurant 3L. Le groupe Foyer Sacré, qui est donc à la base de cette initiative, propose de nombreuses innovations pour cette édition. On va écouter donc la présidente du groupe Foyer Sacré qui nous donne ici les détails sur le Salon de la Femme et de la Famille béninoise. Le Salon de la Femme et de la Famille béninoise se tiendra du 31 mars au 9 avril. Nous avons la grâce de célébrer la troisième édition cette année. Nous avons beaucoup d'innovations. Le 31 mars, nous avons le lancement du salon qui se tiendra à la salle 3L à Abomey-Canavi, 7 rue après le collège Jean Piaget 2. Lors de ce lancement, nous allons vous présenter les différentes femmes battantes que le cabinet Foyer Sacré a retenues cette année. Après le lancement, nous allons participer à une caravane digitale
à partir du 1er avril sur les différents réseaux sociaux du groupe Foyer Sacré. Par cette campagne digitale, nous allons mettre la lumière sur toutes les femmes battantes avec lesquelles nous travaillons cette année 2022. Ce sera pour elles l'occasion de se faire connaître, de faire connaître leurs services, leurs produits et de permettre également à leurs amis de voter pour elles pour le trophée Femmes battantes 2022. Le mercredi 6 avril, nous avons prévu une masterclass gratuite pour toutes les femmes du Bénin qui aimeraient y participer. Ce serait par Zoom avec des femmes de renom, des femmes qui ont fait des expériences dans le couple, dans l'entrepreneuriat et elles partageront des idées de succès avec nous. Le 9 avril, à partir de 16h, à la salle 3L, toujours à Abomey-Calavi, ce sera la grande cérémonie de célébration de distinction des femmes battantes 2022. Ce serait l'apothéose. Beaucoup de choses sont prévues. Nous invitons toutes les femmes béninoises qui aimeraient aller à l'école d'autres pour apprendre, s'amuser, s'émerveiller, se célébrer, à nous rejoindre pour ce salon. Ce serait pour vous l'occasion de faire du réseautage, de découvrir ce que des femmes comme vous font. C'est cela. Eh bien, rejoignez-nous pour y participer. C'est juste 10 000 francs le pass. Mais les autres activités telles que le lancement, la masterclass sont gratuites. Vous pouvez y participer sans un pass. C'est juste la célébration et la distinction qui vous demandent de payer un pass de 10 000 francs. Merci et rendez-vous au Salon de la Femme. Pour nous contacter, appelez simplement le 62 53 53 00 ou le 97 22 96 86. 62 53 53 00 ou le 97 22 96 86. Vive les femmes battantes! Dans la suite de ce 13h au Bénin, l'Union des femmes étuveuses du riz des collines a bénéficié d'une mission économique en appui à la commercialisation de leur production. L'activité a été organisée par l'ambassade du Canada près le Bénin en collaboration avec le Centre d'études et de coopération internationale. La mission intervient dans le cadre du programme d'appui à l'entrepreneuriat féminin au sein de la filière riz. Reportage de William Cliquant. La mission est parrainée par l'État béninois, ce qui explique la présence de la vice-présidente de la République aux côtés des partenaires. Les femmes étuveuses de riz dans le département des Collines sont dotées de matériaux modernes de production et de capacités en gestion d'entreprise. En conséquence, ce programme va permettre un écoulement rapide de leur riz étuvé sur les différents marchés. Nous produisons en moyenne, j'ai dit en moyenne, puisque parfois on dépasse, on produit 10 tonnes par semaine. Notre difficulté, c'est le marché. Si on trouvait le marché, on peut en faire plus. Cette mission économique, c'est une opportunité unique pour les femmes d'échanger sérieusement sur la filière de riz et principalement la commercialisation du riz local et les opportunités d'affaires qu'il faut saisir pour mieux écouler leurs produits. Les autorités à divers niveaux s'emploient à insérer professionnellement ces femmes étuveuses, bénéficiaires du programme d'appui à l'entrepreneuriat féminin au sein de la filière riz PAE-FFR. J'ai vu une unité de production vraiment impressionnante. Nos lycées sont donc un marché potentiel, de même que nos écoles primaires, où il y a donc les cantines scolaires. Nous avons vu la qualité des produits de ce centre, notamment le riz, et nous allons recommander à nos proviseurs, nous allons recommander au PAM, qui est un partenaire privilégié du gouvernement, de pouvoir s'approvisionner dans ce centre pour que nos enfants aient quand même des produits de qualité. C'est le lieu pour moi de vous dire d'avoir davantage confiance au gouvernement en ce qui concerne la résolution des problèmes d'écoulement de vos produits. Je suis ici non seulement en tant que marraine de cette cérémonie, mais également en tant que représentante du chef de l'État. Et quand je serai de retour à Cotonou, je lui rendrai fidèlement compte de vos doléances et je crois le connaissant qu'il sera sensible à tout ce qui vous tient à cœur.
Ce que nous demandons à tous nos partenaires de par le monde, c'est déjà ça. Qu'on ne nous donne pas à manger pour un temps et nous oublier le reste du temps. Qu'on nous permette d'apprendre à nous prendre en charge. Et c'est ce que la coopération canadienne a fait au Bénin à travers cette fêtière des femmes productrices de riz et tuvé. 5 ans déjà que le PAE-FFR s'active à autonomiser des femmes dans le département des Collines. Le Canada est le principal pourvoyeur de son financement, estimé à plus de 5 milliards de francs CFA. De près comme de loin, ils sont venus massivement, fidèles parents, invités et sympathisants pour prendre part à la célébration du culte d'action de grâce des 20 années de sacerdoce du prophète bienvenu Maoutin Oladélé du ministère de la montagne, de la transfiguration et du témoignage de Christ. L'homme de Dieu a été par la même occasion consacré apôtre. Reportage. 20 ans de sacerdoce dans le ministère divin. C'est ce que célèbre le prophète Benjamin Maoutin Oladélé avec ses fidèles du ministère de la montagne, de la transfiguration et du témoignage du Christ. Ce fut l'occasion pour le patriarche de l'église MTTC d'accéder à l'ordre des apôtres, ce qui a été sanctionné par la réception de son certificat et de son attestation d'apôtre sous le regard admiratif de ses fidèles et la bénédiction de ses supérieurs évangélistes venus d'horizons divers pour cette messe d'action de grâce. L'heureux du jour s'est résolument engagé à servir le Seigneur à plein temps depuis plus de 20 ans alors qu'il était un couturier bon teint. Maoutin Benjamin Oladélé, ce serviteur émérite, a fait l'aventure d'une vie d'engagement à plein temps au service de Dieu, ce qui l'a conduit dans plusieurs villes du Bénin et au Nigeria, où il s'est résolument mis au service du royaume des cieux à travers des maudits opérandi en vue de la propagation de l'évangélisation. Pour l'apostolat qui lui est à présent confié, nous qui sommes ses collaborateurs, lui souhaitons plein succès avec de nouveaux défis du siècle à relever par la puissance du Saint-Esprit. Le président du collectif des associations des églises évangéliques du Bénin n'a pas manqué de mettre l'accent sur cette nouvelle mission apostolique. Quand on parle d'un apôtre, c'est quelqu'un qui est capable d'aller partout dans le monde entier. C'est une grande mission, ce n'est pas une petite mission. Donc, il doit propager la bonne nouvelle, évangéliser, gagner beaucoup d'âmes pour que le nom de Dieu soit glorifié au dernier jour. Le conseil que je lui donne, c'est de rester saint. C'est de marcher selon la volonté de Dieu, être fidèle à son Dieu qu'il a appelé. Renforcé par cette nouvelle onction reçue avec le concours de ses devanciers, l'apôtre Benjamin Oladélé est heureux et confiant que cette nouvelle tâche s'accomplira avec l'aide de Dieu. Vivi d'aho de ton lamena mi lo. E ma in grad lo. Vivi lo wayin do. A zona yin wa. Jesu na du aholu janwe janwe. Jesu na du aholu gan lo. O wayin vivi che lo. Kodwe ke yin a chede do se mi do ko. E goni yin ma wo lo ton. Po me wun che lo ne. Kodwe me ho de to kodwe na mi le ko. Désormais auréolé de son titre d'apôtre, Benjamin Maoutin Oladélé est appelé à prêcher la bonne nouvelle de Dieu à toutes les nations. Je vous l'annonçais en titre, le nouveau président fédéral de l'association culturelle Agbessignalé est donc connu. Il a été élu à la faveur du congrès de cette association de l'espace culturel et linguistique Wati. Le congrès s'est tenu à Komé dans le département du Mono. Reportage. Après 18 ans passés à la tête de l'association Agbessignalé, Espedi Wessou cède à la faveur de ce congrès son fauteuil à Jacques Tocognon. Tenu dans la journée du samedi 26 mars 2022 à Komé, dans le département du Mono, le congrès marque un passage de témoin d'une génération à une autre. C'est la joie qui m'anime. Parce que c'est une fonction noble
diriger une association culturelle et linguistique de l'espace Wati, c'est grand. Et je crois que avec le bureau élu en tant que président, nous allons exercer nos fonctions avec abnégation. Le nouveau bureau fédéral de l'association Agbe Signalé, que préside Jacques Tocognon, est composé de 35 membres. Il est élu pour un mandat de 5 ans renouvelable. Le choix des membres s'est fait de manière consensuelle après quelques conciliabules. Ambition, c'est de pouvoir vraiment révéler l'association Agbe Signalé à travers des actions. D'abord, il faut que la communauté Wati s'imprègne de la vision de l'association et qu'on modernise désormais nos retrouvailles. En ouverture des travaux, les participants ont eu droit à la présentation des différents rapports d'activité du président sortant. Ces rapports ont été ensuite adoptés, tout comme les statuts et règlements intérieurs toilettés de l'association. Le désormais ancien président de l'association Agbe Signalé, Espedi Wessou, est fait président du Conseil fédéral, un organe consultatif. Et dans la philosophie que les pères fondateurs nous ont laissée depuis 2004, ils ont dit qu'ils ne veulent plus un congrès avec heure. C'est la grande marque du congrès d'aujourd'hui. Il n'y a pas un camp qui a voté contre un autre camp. Tout s'est passé dans la paix. Vous voyez, on a fini le congrès vers 14 heures. Sans violence, rien du tout. Ça veut dire que la maturité commence à gagner du terrain. Moi, à mon nouveau poste, c'est de soutenir, d'amplifier cette cohésion qui est née aujourd'hui. Agbe Signalé est un rassemblement des fils et filles de l'ère culturelle et linguistique Wachi. Sa fête annuelle est organisée durant la période pascale. Mesdames et Messieurs, c'est la fin de ce 13h Bénin. On va se quitter avec quelques informations météorologiques de la direction, de la prévision et du réseau d'observation météorologique. Dans la suite de votre journée, le temps va continuer par être ensoleillé sur l'ensemble du pays, sous un ciel modérément nuageux, à couvert par endroits. Dans la partie du nord et environ, les particules sèches en suspension dans l'air influenceront le temps. Les températures resteront encore élevées et varieront entre 42 degrés Celsius dans l'extrême nord et 30 3 degrés Celsius dans le littoral. Du coucher du soleil, Cotonou Parakou, ça va être 19h, à la Daboïcon, 19h01, Porte Nouveau pour Bay, Kandi, 19h59, Komé, 19h02, Djougou, 19h03 et puis Natitengou, 19h05. Merci de votre fidélité et à très bientôt.